Deux semaines, ça aurait été le temps de réalisation, d'enregistrement et de montage de cette vidéo. La conquête a un prix et vous serez transporté dans cette aventure qui regroupera deux visions de la survie à partir de mon personnage. Juste avant, je vous rappelle que je suis en partenariat à long terme avec Oli Energy, qui sont des boissons énergisantes avec des saveurs que vous ne trouverez nulle part ailleurs, avec très peu de sucre et que du bon pour que vous gardiez une forme à toute épreuve. Vous avez 10% avec le code RAVEN et 5€ offerts avec le code RAVEN5. Donc profitez-en. Sur ce, profitez de la vidéo. La squad de choc avec Théo, JF et Monstro qui m'accompagneront dans cette aventure qui ne sera pas facile et vous comprendrez très rapidement pourquoi. Une team n'aura qu'un objectif dans leur wipe, nos raids jusqu'à ce que l'on abandonne. Mais vous me connaissez, la détermination est le point que personne ne pourra m'enlever. Il est 17h. Et le wipe, c'est maintenant. Oh ! Pouah, je suis trop chaud. En plus, si tu les deux, je suis le dernier. Ah, t'as peur, hein, là, t'as peur, hein. Ah, nice, il a fait ours et tout. Pour la base. Pas de personne. Venez. Ah mais t'as déjà les portes. J'ai jamais fini pour rien. Ouais. Hola buena amigos. Comme à notre habitude, on est situé en plein centre de la neige, là où l'ensemble des clans bien plus nombreux que nous y seront installés. L'Arctique et l'APP seront les deux raids que nous jouerons, et vous allez voir que ça va commencer en toute intensité. Il y a deux mecs devant moi, en 70, au niveau de la rade, l'entrée. Ils tapent du bois et tout, ils ferment. Okay. Ils viennent vers nous, on peut les fight devant. Ouais, vas-y. Il est à droite. Je pêche, j'ai dingue. Je pêche moi. Il est à gauche. Ouais, vas-y, continue. Il est à droite. Il est à droite. Il est à droite encore. Bah, wesh. Il est mort, lui, non? Non, non, il est pas mort. Bon, à gauche, s'occuper de le mec à gauche, hein, je pense. Et le mec derrière il est rentré dans sa base. Ah c'est la base en bas. Ah ils avaient fait la rade. Y'a un mec Azmat face à moi, en sens sud. Deux. Au recycleur. Du baril là. Ouais. Il se casse. Bon. Il est juste en Azmat là. Ok, je pensais qu'il avait descendu. C'est lui qui tire? Non. Tu l'as tué. Azmat, oh, quand même pas mal en vrai. On peut les faire tous les mignons. Y'a un mec en face de moi. Arc. Il attend derrière, il fait quoi?
Il est pas mal aussi, si tu veux le looter un peu. Y'a un mec au niveau du truc de... En 10, espèce de pompeuse. Tu veux pas looter, gros caillou? Si, fais gaffe, en 10 y'a un mec. Y'a pas beaucoup, y'a un peu de trucs, mais... Headshot. Nice. Il y a deux mecs en nord-est mais ils ne jouent pas. Ils se fight. Moi je suis bien là, faudrait qu'on rentre, j'ai 480 scrap. Encore là? Ouais, mais ils sont en fait, c'est pas la même. J'en ai. Il se casse. Il est touché à droite? Oh, headshot! Il meurt pas! Il est mort. Bien joué. Oh, j'ai bien fait de le tuer. Nice. C'était avec l'arbalète. Avec une... J'ai bien fait de le kill. Ouh, il y a deux lignes de pierre. Ah, on est pas bien. Hein. Ah, d'accord, ouais. En plus, je l'ai dit qu'on avait les BP, je suis un connard. J'avoue. Il se fait tirer dessus par l'autre. Ils sont pas ensemble. Hit la Thompson, elle est juste en bas de moi. Il est loin. Elle est direction 170 là. J'avoue. Oh bien joué, il a tué. Oh le boss. Et il doit être fou là, il a fait la carte, il était en mode neige. Oh oui. Rien looté. Je me casse. Le kill que Monstro venait d'effectuer va clairement changer la donne de notre début de wipe. Ayant récupéré quasi une ligne d'armes, on va très rapidement passer de l'arc à gun, ce qui va prendre une toute autre dimension. Et au niveau de la confiance, on ne pouvait pas rêver mieux. Un mort. Deux morts. Bien joué. Il m'avait bien entendu, c'est ce. Oh, j'ai coupé le crâne. J'ai des balles de rebo si tu veux, du coup. Y'a deux mecs à ma droite, les gars. Ils font les bidons. Un mort. Les deux morts. Ouais, c'est quand même fort, hein. Caillou, tu pourras me poser un bed à la base? Ouais. Parce que je pense que je vais die. J'ai pas les rats. Caillou. Hey, hit, mort. Oh, il va me push, son mate va me push. Je pense où il se casse. Non, je pense qu'il se casse. Je sais pas s'il est mort derrière la pierre de souffle. Il est mort. Il revient, il vient. Yes, I'm from Gish. Oh la ref. Tiens, ton piolet juste au-dessus là quand tu montes. C'est, j'en ai marre de tuer des paysans gros qui ont deux compos dans leur inventaire. Oh là là, Zief. Il est en vacances là. Oh, y'a deux mecs au-dessus de moi, lance-roquette, attends. Je crois, ou c'est une azmat spéciale. C'est un push les gars, c'est un push. Tirez.
Un mort, deux. Tommy ? Il y en a encore. Non. Un inventaire de pierre, les gars. Il y a son mate. Encore un mort. Encore, encore un. Allez, les gars, les gars. Il y a deux inventaires de pierre. Moi, j'ai pas d'armes, j'ai pas d'armes. Ah là là, il y a MP5. Ouais. Ah, c'est oil rig et tout encore. Ils vont venir nous raid. Hein. Oh, Anubis. Ça arrive armé derrière moi. Mais je sais pas si arrive. Mec dans le bat là. Non, on peut pas faire. Je crois qu'il va pas l'autre. Si, man. C'est mort. Deux morts, deux morts. Ici, c'est des bots. Bien joué. Il tue un mec encore. Il est mort sur ta tuer. Bien joué. Ah, les déplacements, c'est 90% des trucs. Quoi. J'ai tac tac et tout, les gars, je rentre, non? Headshot hit le mec tout en haut? Ah, j'ai tac tac, tout ça, vas-y, je rentre. Je vous avais des trucs donnés. J'ai R. Je vais rentrer ça. Mamadou Lélé, notre ennemi public numéro 1. Comme vous avez pu le voir, lors de cette action, son but premier est juste de nous camper et nous tuer, puisque j'étais en live et savais pertinemment où je me déplaçais. Et vous verrez que dans les prochaines minutes, du renfort va arriver, et ce n'est vraiment pas bon pour nous. J'arrive. Tu glides quand même? Non, 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 pas. Je crois que je vais. Ok, double tuyau, t'as mort? Comment ça, mon CG? Ah, je die. J'ai pas le. Ah, tu dead? Je suis là, tempo 30 secondes. J'entre dans l'article. Je la repose. Dans le bat. Bah là, j'en ai tué deux ou trois là. Déjà. Et il la repose en est. Je le vois, au niveau du bat là. Dans le bat, ouais. Nazmajan ? Non, non, il y en a une bleue aussi, fais gaffe. Ah bah, il y a Nazmajan. Regarde, il va tirer, regarde. Ouais, là c'est une jeune, moi. Ah ouais, ouais, bah je l'ai hit. Ouais, c'est une jeune en fait. Il est mort. Bien joué. Il y a un c'est un DB. Naked. C'est un naked, semi-cuir. En dessous de l'escalier. Cette action qui reflétait bien notre état d'esprit de ce début de wipe, ainsi que notre bonne cohésion, va rapidement être mise à l'épreuve. Notre base qui avait très bien avancé pour une squad comme la nôtre, nous avait permis de prendre pas mal d'avance sur l'ensemble de nos voisins. Sauf que la team qui va décider de venir nous faire une surprise, n'était pas du tout du même secteur. Et lors d'un bref moment d'AFK, l'heure de cette deuxième étape du wipe va avoir lieu. Je me suis attaqué sur le toit, je suis mort. Pareil. Il vient de me bloquer, il vient de me bloquer. Il va se poser, Icona.
Il se pose. Putain, j'étais dans la main. Fais gaffe hein, qu'il tienne pas la porte ou pas. Ils t'ont fermé. Oh, c'est vrai? Je crois bien, ouais. Ils ont pris contrôle du bâtiment, c'est pas d'un coup. Je me suis fait On peut pas l'épidermer. Si, si, on peut. Je me suis fait instant, un de mort. J'ai amélioré en HQ, ne vous inquiétez pas. Il passe par les murs. Tu peux améliorer la main en. Tu peux le faire? Il y a de l'HQ déjà dans la base. On va l'épidermer ou pas? On va l'épidermer? Ah ouais. Je vois rien, gros champ. Calme. Avance tout droit, laisse-moi sortir. Ah, y'en a tout en haut. Tape HQ, hein. La porte a 160 PV. Combien? 160, c'est normal. Yeah. Il repasse par. Les gars, faudrait mettre une porte et c'est win. Ouais, et faut avoir la porte. Ils sont tous au fait. Il faut essayer de refermer. C'est même qu'au niveau de la porte simple, hein. C'est quoi? Il m'a tué. Les gars, je les ai défoncés. Vite-moi, merde. Améliore en HQ, les gars. Let's go. C'est bien. Au moins 6-7. Hein. Tout là est en HQ, j'ai réparé la porte. T'as un lance-roquette pour moi? Ah, j'ai le mien, j'ai chargé. Ouais, fils de dessus. T'as vraiment envie de m'en faire un? Ok, quand tu prends une arme. Quand tu sors du sas anti-dip, il y avait un lance-roquette aussi. J'ai pas de balles, ça. Y'a pas de frag? Si, là, 700 dans le coffre là, 750. Tiens, je te balance. Oh, ils ont pété à la fond d'agro. Oh, ouais, je suis mort aussi. C'est Brock, c'est des fers, FR. Ah oui, ils font que. C'est pour ça que j'ai insulté, t'entendais pas? Ouais. Ils faisaient que trash talk. Faudrait essayer de monter. Ils ont pété la poubelle. J'ai réussi à rentrer à parmi tout le monde. Ah, j'ai plus de Ben, moi. Encore un qui revient là. Ah, c'est un counter. Un counter. J'ai réussi à rentrer. Ouais, c'est sûr. Tellement usé par contre. Avoir autant d'explosifs en début de wipe, vous vous doutez bien qu'ils étaient plutôt nombreux. Malgré cela, on décide de ne pas lâcher, notre objectif était toujours lancé. Sauf qu'encore une fois, quelques heures après le raid que l'on avait subi, une nouvelle team avait décidé de venir nous taper. Mais cette fois-ci, ni Théo ni moi étaient présents, et autant vous dire que la défense pour Monstro et JF était quasi impossible. Attends, on se ferait pas raid? On se fait clairement raid. Vas-y, je crois qu'on se fait clairement. Je me kill? Non. On se fait counter. Dans le 1000JF, on se faisait bien raid. Je ne vais pas vous faire souffrir et me faire souffrir plus que ça. Monstro et JF vont quasi rien pouvoir faire malgré leur très bonne défense. Mais si je vous stoppe si précipitamment, c'est que l'on avait un deuxième plan bien plus intéressant à vous proposer. 7 jours plus tard, notre effectif est désormais amélioré
et aucun clan ne pourra se mettre sur notre passage. Les raids off à 4h du mat ne seront plus possibles et nous prendrons cette fois-ci l'ensemble de nos décisions sur l'avenir de notre wipe. Car à 4 et sur un serveur rempli de français, cette façon de faire n'était tout simplement pas possible. Je n'ai donc plus qu'une chose à dire, il est 17h et le wipe de la reconquête, c'est maintenant. C'est tapé vite un run plus vers la pause et s'il y en a qui sont vers, vers Breeze Rock et Monstro, ajoutez-vous. Oh, ça essaie de me faire le lolo. Chiot. C'est bon, moi je suis sur la porte. C'est là qu'il veut que je vais prendre en droite. C'est toi le bateau qui vient de partir là? Ouais, c'est moi. Je suis derrière toi si tu viens à la plage à droite. Je suis dans l'angle de l'escalade, j'arrive. Escorte. Ça vous l'a déjà fait, le bug? J'arrive à S4 aussi. Ben, reçu, parce que... Ok. Ah mais c'est vous toi? C'est vous Passepartout? Attends, mais je suis à côté de toi. Bon, je suis avec Miroz et Passepartout, je sais pas si c'est vous. C'est moi Miroz mais Passepartout, je sais pas c'est qui hein. Ouais moi non plus. Bah rachète-le hein. Bah on court. Go se join hein. Ouais, je suis pas avec Koshi mais vas-y go se join hein. Sur, la, sur une route à Nickel, là, c'est vous, hein? Ouais, c'est vous. Vas-y, go attendre Breeze. Ah, c'est Aïda. Là-bas, c'est pas nous, fais gaffe, y'a un mec, hein. En face de moi qui me tire dessus, c'est pas moi? C'est pas nous? Ouais, c'est pas nous. T'es où? T'es où? J'ai pas d'arc, hein. Headshot? Ils sont où? Il va die, le mec, ok. C'est moi, il m'a résilé, donc le. Ouais, bah, je vous fais un petit celui-là. Ah, mais on est sur là, sur le lac, on est con. Sur le lac. Les joues bas. Non, non, bon, prends pas. Tu veux courir. Bon, vas-y, je check le top colline. Sur colline, y'a de quoi, y'a de la place, y'a rien du tout de bulle ni rien. Je fais une première TC en plan, sur le plan de son rapidement. J'ai l'impression qu'ils nous jouent. Oh ouais, là on est bien, on peut se poser ici, on les arrache, hein. Ça fera une target à côté. T'as besoin d'eau, Hydrox? Surtout, moi je suis chaud de poser un bed avant de crever de froid. Ah, j'ai pas ce que je suis, j'en ai deux. Y'a un mec à l'arc qui me joue. Ouais, Go la gros lui là. Go, il est seul. Chut. Hit. C'est des français qu'on peut voir. T'as pas de blindé Raven si tu veux. Y'a l'équipe qui ferme de la pierre et l'autre qui vont directement à la rade ou pas? Ouais, moi je vais rade perso. Y'a moyen d'avoir un bed si vous voulez. Ouais. Je sais pas. Tiens la TC. Passe-moi un tout petit peu de boîte. Ça sort les gars, tout le monde sort de là-bas, sort là, qui fait gaffe. Ils sont beaucoup. 3, 2, 3, 4. 4. Et tu vois, un mort. Hit. Ok, bien joué. Les gars, 2-2 qui se vident dans la base et qui vont les camper vite fait. Je suis à la rade. Le début de wipe venait donc d'être acté. Habitant dans un lac contact à de futurs adversaires, vous allez voir que ces personnes vont très rapidement se rendre compte que rivaliser face à nous était relativement compliqué et vont instantanément déménager. Un point positif pour nous, qui va nous permettre de prendre le contrôle sur l'ensemble du secteur. La phase de farm du début de wipe était passée, et on va directement tenter une action de grande ampleur sur nos voisins. Passé de wipe. Y'a un bateau avec deux mecs qui arrivent dans l'eau là. Tout droit. C'est le mec de là-bas, 100%. Il faut les cut rapidement, je suis sûr qu'ils doivent être full. Où ça? Dans la, au niveau de la base, en nord-est là. Ah oui, B18. Ils sont entrés? Ils montent? Deux morts. Plein d'axe. Tac tac et tout, les gars, ils viennent de respirer. Ils étaient deux ou trois, je suis pas sûr. Dans mon dos. Le mec est à côté de moi. Il s'est pris 4 hits. Allez, il peut arriver derrière toi et tout, fais attention. Faut venir dans la base, les gars, ils sont full. Faites attention juste à monter Miroz. Il y a une montée. Ouais, il va ouvrir la porte juste au-dessus. Ici là, en haut. Mort. Vinaka, boostez-moi.
Oh, j'ai pris la cage. On peut peut-être booster, booster. Attends, attends, Miroz. Il y a un Gantrap sur la gauche. Non, ok, tenez, tenez, tenez. Il y a un mec qui est en colline, attention. J'ai plus le charbon là. Vous montez, vous montez. Allez, c'est facile, montez vite sur le coffre. Voilà. Je garde la ligne, faut monter. Je sais pas. J'ai 14 balles. Oh bah merde, connard. T'as des balles ou pas? Ouais, tiens, par terre, la moitié. Non. Faut pas qu'il nous enferme, les gars, là, t'es. Hein. En vrai, il va monter, il va monter, tu l'as vu. Les gars, si vous avez du loot, balancez-le, je banque. Hein. J'arrive là. Avec mon gant, je suis en devant. Oh, on est full nous à l'inté. Faut pas qu'il referme la porte. Attends, bouge pas. Attends, Miroz, bouge pas. Je suis dans le bien. Ouais. Ah oui, mais d'accord, ok. Les gars, pas comme ça, ça permet. Allez. Y'a 4 sacs, mec, sacs, mec. Les gars, montez, montez. Montez, s'il vous plaît. Montez devant moi. Ça. Pousse, t'as pas un rush, t'as tapé direct un rush. Miroz, s'il te plaît. Les gars, t'as pas un rush tout droit, vous passez facile. Vas-y, vas-y, montez sur moi. Faites des roquettes à la base, faites des roquettes, je voulais gérer. Y'a déjà 4 roquettes à la base et 5 les gars. Y'en a 6. 6, ok, ramenez les balles explos et on va passer, c'est large. Y'a 4 roquettes à péter, 5 roquettes à péter. Ok, boosté. Non, pardon pour la boosté. Non, pas besoin de booster, pas besoin de booster. Si, si, faut booster, faut booster, si, 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 booster. Mets-toi là, mets-toi là, mets-toi là. Ok, venez là, ouais, la porte, vas-y, refais ça, refais la main. Quelqu'un me booste après, s'il vous plaît. Décale, fais gaffe. Ah, pété. Ok, t'es un peu proche. C'est bon, c'est ouvert, l'inté. C'est bon, on a tout. Ok, envoyez les. Un coffre de métal, non, on a pas tout, on a pas tout, on a pas tout, on a pas tout. Ah, c'est bon. Désolé, les gars. T'as de quoi finir pour la TC? Ouais, j'ai 4. Fais-vous, les gars. Les gars, mes 4. Hello. Vous êtes tous à l'NT, NT les gars, moi je suis mort à l'XP dans le. Remontez les gars, remontez, remontez les gars. Je suis pas avec la rampe, quoi. Vas-y, je prends la TC ou pas? Je prends la TC. Ouais, une petite TC, mais les TC dehors sont ouvertes, on peut les prendre. Ok, bah allez, vas-y, go transférer, j'ai 3 lignes. Oh, monstre, il a crash, putain. Y'a une ligne et demie de. Enfin, y'a 2 lignes. Anto, booster là. Oui. Tenez, je peux vous booster les gars si vous voulez. Je suis full, moi je sors. Les gars, il y a du charbon à prendre ici. Je peux prendre ce nous. Là, il y a du charbon en tout, Là, du charbon. Bon, vas-y, on commence à faire les transferts. Vas-y, moi je sors, les gars. Là, c'était bien, c'était bien rentable. Mec, sur la colline à côté. C'est nous, je pense. Premier raid et première victoire de notre équipe dans cette nouvelle aventure. On décide de transférer l'ensemble du loot récupéré sans grief leur base, car on souhaitait garder un maximum d'activité autour de chez nous. Puis à peine 15 minutes après ce premier raid effectué, le cargo va faire son apparition, une opportunité en or pour nous. Tu peux me déposer sur le top hein, si tu veux. Je vais peut-être vite taper. C'est vous qui avez atterri là. J'étais un midi lolo. Y'a pas de bot en bas. Y'a plus les bots du bas. Mais si, y'a des bots en bas. Non mais du bas, genre de la cale, y'en a plus. Si si, y'a les deux. Bon, ça a été bugué mais... J'ai tout traversé. Il est tout en bas ou pas? Ouais, j'ai déjà tout pris en bas. Ouais, il est dans les cales. Je suis à l'avant là maintenant. Ok, ok. Ok. Ouh, ok, nice. Ah oui, tu les fais ça en ce moment. Ouais, nickel, le truc c'est. Elle est dans la cale là-bas. Ouais, je suis tout en bas. Inquiète, Al. C'est ce genre de pilote. Ah, je sais, ça change pas. Première question. Ouais. Y'a eu 64 balles explo, des trucs comme ça. Ouais, ouais. T'arrives à looter les armes ou quoi? Parce que je tiens quasi full. Ah oui, pardon, ouais, vas-y, j'arrête. Et si j'ai Naka et quelques balles. Oh, bon, je suis vide, c'est pété, mais. Tac. J'étais mis Naka au sol. Bah là, attends, j'ai déjà monté, au pire, je te donnerai un petit peu. Oh, aïe, aïe, aïe. C'est un Strapelli? Je sais pas, j'entends rien. Ah non, non, mon gosse. Ah, je suis down, je suis full dead. Quoi? Mais je les entends pas! Putain, je suis derrière toi. Aïe, ok. J'en ai mis un autre. Non, mais tranquille, c'est grave chaud de tomber dans le. De venir. Ah, ils sont toujours dessus?
Non, 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 ils sont pas dessus. T'es mort mort ou pas? On se fout de toi. Il y a 18 aussi. Encore une. Tu headshot, un double headshot. Hit. Hit encore. Headshot. Headshot. Deux morts. Pouh! Ça veut l'en mettre. Il en reste encore un dessus par contre. Hit encore. Il en reste un encore. Ouais, il en reste un. Ce que je vais faire, c'est que. Ouais, je vais loot encore une dernière caisse. Je prends l'hélico, je viendrai te chercher. Une roquette! Ils sont sérieux? Ok. Ils sont notés. Hit encore? Je crois pas. Attends, je crois qu'il y a un scrappé ou un. Je tiens vraiment dans le tas. Ou un mini qui vient là au cas où je suis quand même. Top top, je suis pas vu de montgolfière, wesh. Ouais. Oh! C'est un moment. Ouais, si, en vrai, c'est pas mal. Hein. C'est un HQ, c'est bien sûr. C'est un HQ. Tout est pour voir direct. Je remets tout le lot dans le coin. Bon sang, j'ai pas vraiment non vue. Comme vous pouvez le voir, au niveau de la gestion de la base, on ne pouvait pas mieux faire. Chacun avait son rôle et la progression de notre team était phénoménale. Nous étions à environ 3 heures depuis le début du wipe et notre premier vrai raid allait enfin avoir lieu. Il y a un mec à droite, les gars. Il y en a à gauche. Sur la fondation. J'espère qu'ils savent qu'on arrive, hein. Il y a tout le gros. Il est naked, je crois. T'es mort ou pas, Cinco? De quoi? T'es mort ou pas? Non, je suis là. Ok, vas-y, prenez le top. Allez, prenez le top, ceux qui ont des échelles rapides. Y'en a derrière la base et tout, en fait, ils nous attendent. Ouais, mais faut y aller, faut pas. Casser la twing, les gars. À gauche, je suis mort, moi. Ouais, mes frères, ils sont pris, ces bâtards. Non, mais c'était au courant, ils avaient l'air. Meurs pas, Cinco. Mais je suis mort. Est-ce que vous avez une vue sur moi, les gars? Il y a personne qui pique sur la gauche à droite. Non, regarde, reste assez loin, reste caché. Le coffre est mal avant. Moi, s'il y en a un qui a une échelle là dans les voiles, j'ai un cul. Raven, je suis juste devant toi à droite. Y'a un mec de l'autre côté en fait. Ah, full dead, full dead. Gardez le top s'il vous plaît. Y'en avait un sur le top, gars. Vas-y, je touche le top. Faut avancer avec Raven, les gars. Ok, dans la poutre à l'intérieur. Ok, les roquettes à hydrox, tu peux me les drop s'il te plaît. Ok, go Raven, vas-y. Go. Attends. Moi, on m'a pris toutes mes seringues et tout. Hein. J'ai des seringues, je peux t'en drop si tu veux. Un petit peu, s'il te plaît. Je t'en ai drop là, partir là. Y'a un qui garde la porte d'entrée, s'il vous plaît. Là, ici, là. Là. Dans le pourtour, il va être mort. Et on va ouvrir. Hydrox. Hydrox, la porte d'entrée à droite, s'il vous plaît, personne à la côte. Et le top, il y a une visu. Attends, celui-là, c'est peut-être. Il y a la texte, fait. Ouais. Tu peux tenir la porte d'entrée de l'étage, s'il te plaît. Ils sont deux en haut. Les gars, dans le mec. Ah, je l'ai collé. Revive le s'il vous plaît. Je revive. Ouais, ils sont au plus bien chemin. Les deux morts en haut. Je te revive. Encore. En haut. Il est sorti. Attends. Il est mort, mon ref. Allez, les gars, couvrez notre bac, s'il vous plaît. Attends. C'est qui la gueule là? Je vous lance une AK par terre. Elle est par terre. Nada, ton corps, il est à l'intérieur. Je suis sur le top, les gars.
Ouais, moi aussi on va lutter, j'ai pris quelques strings, Abda, désolé. J'ai arrivé de lancer les gros dégâts. Mort dehors. Ça va ouvrir dans quelques zones, restez pas stack avec nous, Abda. Je suis prêt là, je tiens dedans. Ok, parfait. Peut-être sur le top, s'il vous plaît. Un hit, je sais pas si loin. Je suis avec toi, je t'inquiète. Oh, Raven, oh, go pété en bas. Ah, il est pas mort. Ils emportent en bois, quoi, wesh. Ils ont chuck derrière, les mécanes. On aurait dû péter en dessous, Raven, à droite là. Là, où je pète, là pète, regarde. Les gars, ils me pètent. Ouais, ouais, quoi? Je suis seul, là, ici. Ah, putain, y'a ça. Vas-y, dernière roquette. Attends, pousse 37, je pète. À gauche, il va sortir. Alors, si il sort, je le roquette. Il est mort, À droite, c'est compliqué. N'importe où, les gars. Azmat. Il est mort. Dans le centre, ça respawn dans le centre. Les gars, il y a des mecs qui viennent torche allumée. Là, il y en a un qui. Ok, maintenant, caillou en main. Caillou en main maintenant, les gars. Le chaud. Bouge pas, je suis j'ai ton stuff à moitié, j'étais à l'air ou je sais pas où c'est. Où ça? À droite, là où il y a les corps. Ah, dans le centre, là, deux. Il y en avait un qui était un sneak avec la TC. Ah, ok. Il a dû reculer, ça va. J'ai pété la TC. Il est dedans, quoi. Mort. Il y en a un deuxième qui a spawn. Ok, attends, j'ai pété la porte d'entrée. Là, pas mort. Tiens, Breeze Rock. Tiens, je l'ai, Breeze Rock. 16 HP. T'as pas double explo, quoi? Si. Il a. C'est bon, on a maté. Vas-y, looter tout, on se casse. Les gars, rentrez pas tous. Oui, ils ont des roquettes à jouer. Un coffre de four, les gars, un coffre complet de four, venez m'aider à loot. De souffle. J'arrive. Il est où? Il est où le coffre? Ah, à l'étage. En bas, mais l'étage. Ok, vas-y, sors dès que t'es fou. Ok, deux qui rentrent, les gars, en partout. Deux qui rentrent, s'il vous plaît. Échelle. Ah, c'est où, ça ouvre au-dessus? C'est bon, il est mort. Ok, c'est du bébé. Booste les abats. J'ai me cool ici. Voilà. Les gars, Graven, go pète en haut. Hein. Il y a encore un mec tout péter, en haut. Mais je viens de péter. Étage de bed, les gars, il y a un mec. C'est open au top. Il faut des échelles, les gars, il y a des beds. J'arrive. Je pète les beds en bas, moi. Mais le mec, il est sorti naked, y'a rien derrière, je pense. Ouais, il y a que de la merde ici. Y'a deux mines de métal. Ma première raid haute en couleur. La team présente nous attendait et était vraiment bien préparée. Cachés dans leur compound avec lance-roquettes et grenades, on a quand même su s'en sortir malgré un stress assez présent sur ce premier raid. Mais ce n'est que du positif pour la suite. Les 4 premières heures venaient donc de s'écouler et vous allez voir que tout va s'intensifier en quelques minutes. Il s'est ouvert la trappe. Oh putain de merde. Oh, c'est le pire move. C'est merdé là. Non mais il était même pas enflammé tout hein. Y'en a qui ont des balles là qui en rab ou pas? Tu déposes un inline sur une aigle sur une éolienne gros. Ah vas-y, dépose-moi. Tiens. Après ça les gars, on va faire le tank et après on se met tout ça. Ouais. Non, bref, un holo dessus, un holo frère maintenant. Je loot pas un. Attends, ils ont changé le recul de l'N2? Ouais. Tu peux plus lâcher les fous. Non, elle a pas changé l'N2. Si, elle a changé. The fuck. Elle est claquée au sol. Il y a eu que de la merde dans les deux caisses, les gars. La K est meilleure. Il y a un mini qui check. Elle est où la quatrième caisse? Mais après le reste, c'est sûr que c'est de la merde. Oh, CMNRS! Oh, let's go! Allez, la quatrième caisse en là ou pas? Ouais, on a tout. Plexis, et avec incendie et RHV en plus. Une fois l'hélico récupéré, pas le temps de se poser. On décide de directement enchaîner avec le tank. Tout le monde, vous êtes tous descendus là? Descendez. Merci.
bouger, hein, ça arrête jamais. Je l'ai deux fois là. Je sais pas comment monter là. Il y a au moins 3 roquettes de fail. Oh, j'ai un visuel aberrant. Faut en parler, mec, faut pas en parler. Oui, bah là, Zabda, t'as un silencieux sur le. Ouais, je suis le mec silencieux, frère. Ah, parfait. J'ai dû être content, il a fait son place. C'est 4 roquettes. Putain, voilà. Je suis des MNR, je m'en bats les couilles de ça. Y'a pas de péage en Nord-Ouest. Ouais, y'a pas de péage. Gars, tout va jouer sur la dernière caisse, y'a pas des MNR. C'est trop dur avec le silencieux. Oh putain, on doit refaire 98, le 98, hein. On doit refaire le tank. C'est vrai, MNR, le mec métro. Ah, rien du tout. On va refaire le tank après, bah les couilles, notez le temps. Pas d'MLR supplémentaire, mais pas de soucis. Nous avions réalisé un début de boîte quasi parfait, et notre zone de farm habituelle va très rapidement se transformer en champ de bataille, vous allez le voir. Oh, par contre, ça arrête juste au-dessus, les gars. Ah, les mecs qu'on arrête, les raids qu'on arrête, faut refaire aller. Ah, bah vas-y, go, on y va, on va les grader. Sur place, sur place. Si on peut récupérer des roquettes, je suis là dans 2 minutes. Full dead? Ok, t'en bouche. Ah merde, j'ai tué le propriétaire de la base. Il est sorti avec 20 steaks. C'est une mauvaise pioche. Mais il est en train de taper derrière déjà. Enquêteur mort. Bon, je sais pas s'ils sont à l'intérieur en fait. Viens avec moi une droite. Encore un full dead. Non, sur moi, le côté. Attention les gars. Encore à la brèche, mort. Y'a une équipe qui m'en loot les gars. Je vais venir pour un stuff. Prends la carte. J'en ai. Ah, GG les gars, GG pour le win. GG. Ah, c'est Raven. Ah, GG héros. Putain, GG. Ah, viens pas nous raid up s'il te plaît, gros. Oh, tout le monde, t'arraché. Au-dessus. Ah, c'est pas d'autre base. Ok. Bon bah GG vous nous avez mis mal, hein. Je te laisse dans ton fight, mon gros. GG à vous. Pas de problème, mon gros, c'est le jeu, c'est comme ça. Vas-y, bah bon. Quand tu mets quelqu'un de bon, on a pas de team réellement, tu vois. Moi c'est Bastos, on l'a déjà fait. GG. Derrière moi, fais gaffe, ça a shooté en 80. Vas-y, je te laisse, mon gros. Moi, c'est Bastos. Je t'envoie un message dans le chat, comme ça tu le sauras. Et c'est Bastos et tout. Vas-y. Il nous a dit GG à vous pour la défense, je sais pas quoi. Non, je dis c'est pas nous et tout. C'est des bons, hein. C'est qui, quoi. Toi, tu me dis GG, je pense qu'on est venu leur sauver. Je sais pas, c'est défensif. Mais il a tout à l'heure, je sais pas, il a envoyé plein de trucs. Il y en a un dans le chat en mode la revanche, je sais pas quoi. Chut. Les gars, j'ai tué fou le mec, hein, AK et tout. Oh non, il reste un. Viens. Tiens, les drogues. J'ai tué 5 mecs. Y'a fou la AK. J'ai tué guacamole et tout. Il ouvre à droite. Sur le corps. Tu vas tuer, t'es encore mort. On a pas de mini, c'est attention top down. J'ai tué le mec qui peut. T'as tué, t'es Tommy toi aussi. Ouais, non, y'a de la merde. Ouais, moi je suis Tommy Bolt. C'est ton meuf, frérot. Tommy. J'ai envie de déroule en vrai, je pense qu'il y a. Un mort. Ouais, faut que je vais t'aider, t'es mort ça. Encore une AK morte. Ouais, barre-toi, Raven, vraiment. Attends, frère. Encore une AK, putain. Il est zébé. Là, tu vas pas comprendre, on est con, on a l'aider là. Il y a scrappé les gars. Qui looté, il est mort. Deuxième qui looté, mort. Je me fais des hits, j'arrive. Ramenez-vous. Je suis en train de couvrir. 3 balles. Mais ramenez du lolo pour les gars. Et du métal si vous voulez pour la part. Ouais. J'arrive avec toi. Encore un mort. Oh, y'a mes caca sur moi. J'ai un HP. Vous avez un marteau? Mettez du loulou rapidement. J'ai un marteau. Zabda.
Deux morts encore. J'arrive. Encore un mort. Attends. Attendez-moi, j'arrive. Encore un mort. Je les enchaîne tous, les gars. Moins 4. Attends que le dernier arrive. Vas-y. T'inquiète, je conduis. Mets du Lolo, vas-y, mets-le. Je conduis, t'inquiète. J'ai mis Lolo. J'ai moins 5, hein, les gars. Il y en a encore un. Tac, je suis mort. Ah, on est en école. Plein 240. Je suis là. Vous avez des houles ou pas, les gars? Non. Ouais. Oh, après, j'ai pas mal de presque à je m'en trouve à 15. Le mec dans l'eau, t'es sûr ou pas, Raven? Bah, le mec il se barrait dans l'eau, ouais. Avec des seuls. L'équipe. Zabda? Ouais. On rentre à la base ou pas? Ouais, je suis full. Je te récupère, Evan? Moi aussi, je suis full. Y'a pas de corps. T'inquiète, j'ai des palmes et tout. Et dans tout ça, on a pas remis du métal, hein, faut arrêter de s'équiper. Bah, si, j'en ai remis tout à l'heure. Dure 20h ou 15h, je crois, un truc comme ça. 15, plus 15h. Je l'ai rempli la TC, t'es sérieux ou quoi? Cette mage n'était vraiment pas du goût de tout le monde, mais c'est vrai qu'actuellement, les joueurs ayant un très bon game sense s'en sortent vraiment bien, et pour les gens qui me suivent depuis longtemps, vous savez que c'est mon point fort. On finit donc par récupérer une tonne d'armes, et l'heure de passer notre première nuit allait avoir lieu. Le lendemain, avec notre nombre, le raid-off n'était tout simplement pas possible et une nouvelle grosse journée allait débuter. Pour bien la commencer, on décide de directement s'attaquer à une base qui nous avait attiré la veille et qu'on ne va pas laisser passer. Il est 11h du matin et notre premier raid de la journée allait avoir lieu. Vas-y, vous les fenêtres. Oh, c'était une incendie. Major Mage. Deux torches. Faut bien faire un sur le top. Oh, ah, le chien. Regarde Zabda, il va essayer de te re-rocker, je pense. Il est shot sur le top, je crois, il est mort. Oh non. En 60 d'armes, il est mort. Ah, ouais, il go péter au pied là, non? Il est à droite. J'ai fait dévier une tourelle. Ouais, il y en a à droite vers les fours, dès que vous rentrez. Il est double 8. Me suis fait un start. Ah, je suis mort aussi. Okay, mort en temps. À droite, il est mort. La toile d'en bas de l'oxygène. Voilà. Ouais, y'en a un qui peut me rester. Oh, je te rate, bouge pas. T'as pas une incendie, Raven? Attends, tiens, bah, je suis en train de t'aider à toi. Dingue, dessus. Il y a les échelles. C'est moi, mais attends, je vais. Il y en a deux. Reviens la toile, s'il te plaît. À gauche, je suis regarde, à gauche, je suis là. Attends, je veux le droit. Il y en a encore une à gauche, il va me falloir un tout petit peu de soin si vous en avez un run. Normalement il peut plus monter, oh j'ai une incendiaire parfaite. Zabda, t'as beaucoup de terrain ou quoi? Tu l'as à tourelle, frérot. Parce que vu que je pète les tourelles, c'est... J'attends la tourelle, viens mon frérot. Tu le branches autour. Miro, monstre. C'est mon son, il est en plus. Ouais, c'est bon. Vous pouvez vous péter avant si vous voulez, hein. Si je pète une tourelle là. Ouais, je peux bien jouer, je suis mort. Toutes les tourettes ont pété. Va falloir en bas. Avancer. Attends, et là il y en a 3 morts. Ils attendent vite. 60 secondes. Il est dans ce window à droite. Dès que vous le tuez, je vais essayer d'avancer. Zabda, je vais donner les C4 si tu veux venir me les prendre. Et il casse. Il est reçu, les boys, faites attention. Lui, tu le sentends? Putain, mais il va commencer. Dès que vous le tuez, j'avance dedans, les gars. Je vois pas sur le top. Oh, dans le top de la montagne, dans le bac. Ouais. Je suis à l'inté, les gars, il me faut du monde avec moi, s'il vous plaît. Ouais, je peux pas, j'y vais. J'arrive. Au-dessus de vous, ça. Il est mort. Regarde les lignes, frérot. Colline à ce matin.
Il est mort, il est mort, on a été encore. Il y en a un à l'étage au-dessus de vous, je crois. Ah ouais, tu viens, mec, ouais, au-dessus. Ah oui, t'as fumé. Ok, ils sont juste en bas. Les gars, je vais. Attends, couvre la ligne, je loot, couvre la ligne, je loot, je vais aller déposer des armes. Ok. Il y a tout, tout open en haut, attends, tout open. Tout open en haut. Ok, ok, tout est open en haut, on a le top. J'ai éteint les tourelles, je vais éteindre leur électricité. Il y a roquette en bas, il y a roquette en bas. Dessous, dessous. Ok. Il est refermé. Ouais, il est refermé. Vas-y, on te rentre dans la base. Ouais, ouais. Il est. Il est mort. C'était lui, là. Faut garder ses lignes, là. Tu peux descendre, Adam? Bah oui, je l'ai tué, là. Tu peux me heal ou pas pendant que je roquette? Ah non, mais. Ouais, tu vois. Faut que je remonte au top ou pas? Ouais, remonte. Y'a pas de quoi en faire sinon. Vas-y, remontez les gars, en vrai, vas-y, je roquette. Vous avez coupé l'électricité des tourelles ou pas? Non, t'inquiète, on peut dire si on les fait. Remontez, on reste à 2 quand même, ça risque un peu, hein. Et ouais, je suis mort, moi. Je pense qu'ils sont plus morts. Vas-y, pète au fond, bon. Je vais dire rentrer du loot, moi, attends. Hop, c'est bon. Il y a des roquettes là, je peux t'aider si tu veux. De toute façon, non, mets une seule roquette, je vais la mettre à 4. T'as suffi. T'as ouvert au-dessus, les gars. Je suis mort en bas. Rez-de-chaussée, je suis mort. Avec la TC. Où y'a la porte avec les deux shotguns? Ça va nous rendre. Ça va nous quoi? Il y a un mec full vert en 3-4. Il va galérer. Je me coupe vers ici. Deuxième, il recharge. Il est mort aussi. Oh, Zabis, ouais. 80. Ok, elle est morte, l'asmat. Oh, l'arbalète. Il y a une asmat à l'hôtel extérieur du compound, mais il y a un mec qui me silencieux, c'est celui que je disais qu'on passait les premiers. Ouais, bah go bank, le silencieux c'est l'esquive. Il est côté scrapeli, je crois. Oui, parce que moi il me tire pas dessus, je suis à la gauche. Comme vous venez de le voir, notre cohésion était vraiment bonne, et ce premier raid de la journée va extrêmement bien se passer. Niveau rentabilité, on n'a vraiment pas à se plaindre et ce wipe est pour le moment un sans faute. Et si je vous dis ça, c'est que notre bonne lancée ne va pas se stopper en si bon chemin. À peine le temps de transférer l'ensemble du loot qu'un raid en top-down va avoir lieu juste à côté de chez nous. Une opportunité de récupérer énormément de ressources. Bah me tire pas dessus. Bah reste au top. Bah reste au dessus. Oh, ça vient. Sortez. Non, on peut pas. Si on peut, j'irai. On peut plus, faut ramasser. J'arrête de... Il est mort. Il reste. Il est tué. Mais y'en a un qui va tirer, je pense que c'était Jack. Moi je tire pas. Non, je descends pas, les gars. Moi je descends pas en bas. Descendez ceux qui sont timés. Hein. Ils ont grève, je crois. Oui, ils ont grève. Y'a pas une. On peut descendre. C'est où? On descend de 500. Ah oui, c'est ici. Je vais. Il y a des portes open. Là, on peut descendre. Jump check, s'il vous plaît. Il a des roquettes à jouer, j'ai. Mort, j'ai tué un mec rocket launcher. Je suis un rapide. J'ai des vraies roquettes. Pète. Je pète où? Bah ouais, la porte là en face. Là, tu penses? Ouais, t'as combien de roquettes? Bah j'ai que 3, je peux péter. T'as des échelles? Ramenez tes roquettes de la base. Attends, vas-y, moi aussi. Encore une porte, ramenez des roquettes. Deux morts? Vas-y, sautez. Les gars, là, venez, s'il vous plaît. Du monde? Ouais, c'est toi. Bien joué, les gars. Ok, on remonte le gars. Exactement ce qu'il nous fallait, la pièce manquante à notre raid final du wipe. Niveau composants, on se retrouve plein craqué grâce à ce counter qui va nous permettre de rattaquer la toute première team que nous avions deep raid. Leur progression avait été spectaculaire et en à peine 24 heures, leur base avait triplé de volume. Et l'heure du raid final avait sonné. Ils sont pas battus, Posez pas de wall. T'as vu, comme tout à l'heure, tu peux être direct. Il y a des tourelles, les gars. Là, il y a une tourelle déjà au niveau de la fenêtre. Hein. Vous posez vos bagues, hein, on dirait. C'est un peu bon, là. Tu pètes les fenêtres, Zabda, faudra qu'on monte direct. Ouais. Faut pas qu'il puisse shooter les bêtes depuis les fenêtres, hein, les gars, attention. Ah, vu qu'il y a les pentes, ça doit être bon.
frère, on peut mettre un bed ici, wesh. Dans leur base. Je la mets où, là, toi? Les gars, vous tapez... Le jeu? Non. Attends. Ici, là, au top, là. Tourelle, les gars, encore, n'oubliez pas. Je la mets où, là? Là. Ils nous ont spot ou pas? Ouais, je peux... Ah, je peux commencer à jouer? Je peux commencer à jouer ou pas? Vas-y, Ravage. Ouais, les gars, les rocketeurs, dès que vous êtes prêts, les gars, go rocket. Hein. Faites les fenêtres avant. Frère, moi, jamais c'est tout, là. Mais pour que nous, on puisse monter sur les fenêtres, frère. En bas, là, mine. Mais j'en ai en bas. Ouais, il est il m'en reste qu'une à jouer, j'en avais 6. C'est bon, hein. Prenez votre temps, les gars. Ouais, prends-moi la spawn. Y'a pas une incendie pour l'intérieur? Ouais, faudrait roquer. Ouais, il a mis aussi, les gars, maintenant. Ouais, j'ai fait un carnage. T'avais tué un mec dedans? Ouais. T'as des incendies ou pas, Raven? Je n'ai donné 3 au collègue. Vous voulez que je vous ouvre le camp, peut-être? En haut à droite. Non. Là, c'est pas grave. C'est qui qui a ramassé les incendiaires de Raven? Je vais prendre. Tiens. Il y a une toile tout à gauche, Raven. Oh, mais il est devant. Arrête de rocket, GF. Ah putain, oui! Rien, il restera une et c'est bon. Il nous en reste deux à péter. Beaucoup en fait, hein. J'ai plus que des incendiaires. Il me reste deux. Mais au calme, attends, normalement ça devrait aller. Sur le toit. Stop, les gars, il va nous manquer. Je vais. Ok, il manque une tourelle à péter. Je vais aller à C4, je pense. Il y en a qui descendent du lit dans le camp pour nous. Ta merde. Il m'a fait peur. Désolé. Alors, je commence à avancer pour gris. Allez, go la dernière, les mecs. Je me heal déjà derrière. Oh, tu vois? Oh, le bâtard! Incendiaire. Je vais ce con, j'y crois pas. Il nous incendie. Les gars, chill. Non, que c'est pas assez, on est pas safe encore. Non, mais il est au-dessus, il nous incendie à la gueule. Ouais, gaffe à l'autre. Mec, là, je suis là. Il faudrait un peu plus tard, les gars de l'arrière. On est tous des groupes à l'intérieur, ça, merde. Il y a des mecs groupes qui rentrent en terrain. Ouais. Les mecs groupes sortez. Hein. Donc les 8 mecs groupes. Bah, y'a que des mecs, les gars, y'a 2 mecs des groupes maintenant. Oh, Pierre, tu veux que je fasse des transferts directement? Je suis sûr, le mec qui me pique à gauche, il est fou. Il y en a à droite, pareil. Foulez-vous, les gars, face barrière. Normalement, y'a pas le gros. Allez, go sous. Et tu rentres avec des rocks, des dégâts argent. Raven, est-ce que t'as deux CS? Ouais. Ouais, y'a pas de droite. Si tu montes dans la main, je pense. C'est toi là? Non, c'est. Je suis là. Là, au-dessus, la porte HQ, je pense qu'on a accès à la fenêtre. Est-ce qu'il faut que je rentre avec des roquettes dans la base pour péter par des gars? Non, pour le moment, non. A droite, ça rentre. Safe. Ah putain, non, il y a une porte encore. Eh bien, je vous Zabda, jette. Viens, Zabda. Vas-y. Je vous jette tout en bas. J'en ai tué un aussi, moi. Il a sauté en bas. J'en ai tué. Ah, il vient de passer devant moi, il est en bas. Oh, mais gars. Il est dans les pitons. Il y a encore du charbon ici, wesh. Oh, il y a full charbon. Hein. Vous avez récupéré beaucoup de soufre, ça veut dire, ou de métal alors. Métal, oui. J'ai pris le charbon, je. Les compos, hein, ils ont énormément. Bon, ils nous saoulaient hier, eux, ils sont plus là. Il y a une ligne de paille. AK dans le roof, sur les fenêtres, ou sur le toit, je sais pas. Ouais, moi je transfère ça hier, j'arrive. Si je reviens. Il est mort. Bien joué. C'est bon, ouais. J'ai encore Hydrox là. Super, je reviens. Il est mort, je viens de le buter, il respawnait. Y'a un mini à récup sur le roof si quelqu'un a du Legren. J'en ai pas. Y'a un Scrappelli même dans le truc, non? Ouais, y'a un Scrappelli. Ouais, y'a un Scrappelli, ouais. Au niveau souffle, c'est pas rentable. En vrai, t'as pas vu ce qu'il y avait, Raven. Y'a qu'un Jack peut monter sur toi, y'a des sleeping bags là à péter. Ah, t'as banqué à la base? Ouais, j'ai banqué à la base. Ah, là, mais la note main, ok. Ouais, j'ai banqué une ligne de roquette, j'ai banqué 2, 3, 4, 300, 320 explos.
Ah ouais. Ah ok. J'ai bang du sulfure de la gunpoil à T5 bas aussi. Comme vous venez de l'entendre, un raid encore une fois extrêmement rentable et une petite revanche pour nos joueurs de nuit qui avaient été campés par cette team pendant pas mal de temps. Comme vous avez pu le voir, nous avons désormais un style de raid un peu différent de notre ancienne méthode et ça marche plutôt bien. La suite s'annonce donc très bien pour nous. J'espère que cette petite aventure vous aura fait kiffer et découvrir deux styles de jeu dans cette nouvelle méta. Si je peux vous donner un conseil, ce sera de travailler vos déplacements qui sont désormais 75% d'une victoire lors d'un fight. Sur ce, c'était Raven, à la semaine prochaine pour une toute nouvelle aventure. Pensez à liker et à vous abonner. Ciao ciao.